Bonjour messieurs, c'est l'ONF, vérifiez votre carte de pêche. Oh, il y en a un là! Oh bordel! Ah! Il va m'attaquer! Ah! À l'aide! Il est là-bas. Pof! Allez hop! Un en moins. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, petite vidéo avec l'ONF, donc l'Office National des Forêts. Donc, vous avez été pas mal à me demander un nouvel épisode. Donc, voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Donc, pour cela, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, les gars, premièrement. De mettre un petit commentaire pour me dire merci d'avoir créé cet épisode-là. Et de vous abonner à la chaîne, tout simplement, les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en plus, à vous, ça ne vous coûte rien. Aujourd'hui, on est samedi, et le samedi, c'est une nouvelle vidéo, comme vous le savez. Et là, je vais finir mon café, et on va partir en patrouille. Allez, je vais ramasser mon gobelet, parce que là, comment je fais pour le ramasser? Mince. Ouais, je le ramasserai tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on va chasser tout ça. Là, on va chasser les pollueurs, les pêcheurs, les braconniers, tout ça. Avec ce magnifique véhicule, regardez-moi ça. Véhicule Office National des Forêts. Que vous pourrez retrouver dans la description, les amis. Je laisserai un petit lien. Voilà. Donc, je voulais avoir un bateau avec moi. Pour au cas où le mettre à l'eau. Mais j'ai pas réussi à mettre le bateau sur la remorque. J'ai la remorque à bateau, les gars, ça, y a pas de souci, j'arrive à la tracter avec mon véhicule. Mais par contre, pour mettre un bateau dessus, j'y arrive pas. Donc si vous avez des idées ou une solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Je suis preneur. Surtout que bientôt, là, il y a la série de l'été qui arrive avec la gendarmerie. Donc j'en aurai un peu besoin pour tracter les jet skis et tout ça. Ok, donc là, il y a du monde. Il y a des petits randonneurs qui patrouillent, qui marchent tranquillement. Bon, nous, on va se rapprocher des eaux, là, de la rivière, là, pour voir s'il n'y a pas des braconniers qui braconnent. Et si tout le monde est en règle. Donc, oh là, le lapin! Oh, je l'ai écrasé? Oh non, ouf. Il a eu chaud, lui, mais en même temps, regardez-le. Là, on est pour la sauvegarde de la nature, aujourd'hui. Hein. Donc là, on va essayer de pas écraser les lapins, pour commencer. Hein. Oh là, là, il y a un puma. Là, par contre, ça, c'est une espèce nuisible, hein, ici. Donc si je veux, je peux l'abattre. D'ailleurs, il est où? Ok, je vais essayer de l'abattre, les gars. Parce que ça, c'est une espèce nuisible, ça. Il y en a partout, ça. Il y en a. Il est là? Ah non. Si. Attendez, je vais prendre ma carabine dans le coffre, là. Allez, hop. Bon, bah, il est à côté, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, hop. J'ai ma petite carabine. Là. Oh, il est là! C'est quoi? Ah non, c'est un mouton, ça. Oh bordel, j'ai failli tuer un mouton, déjà. Ça commence bien. Attendez, par contre, il est là-bas. Par contre, il est là-bas. Pof! Allez, hop! Un en moins. Voilà. Allez, ça commence bien. Par contre, je peux... Oh là! Ah non, ça, c'est un mouton, encore, qui veut boire. Je peux pas zoomer, par contre, avec ça. Comment ça se fait? Ah si, c'est là. Ok. Bon, bah là, on va appeler les vétos pour qu'ils embarquent le corps, là. Ça fait partie de notre métier, les gars, d'abattre les nuisibles, hein. Là, dans le quartier, c'est une espèce en voie de... Enfin, non, c'est une espèce nuisible, tout simplement. Là, je l'ai pas raté, hein. Comment on fait? Tac, 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 comment on fait? Ah, c'est là. Voilà. Vétérinaire. Quand ils les attendent. Hein. En attendant. Lui, il est perdu, le mouton. Là.
En attendant, on va surveiller qu'il n'y a pas des pêcheurs. Ah ben voilà. Oh, mais il est tombé dans l'eau. Oh mon petit. Ah, il va m'attaquer. Il est paumé, lui. Il n'y a pas de braconnier, là, non? Ouais, je voulais mettre mon bateau, là. Comme ça, j'aurais mis mon bateau à l'eau. Ah, ils sont là, attendez. Ouais, je vous disais que je voulais mettre mon bateau derrière mon pick-up, là. Comme ça, j'aurais pu remonter la rivière tranquillement. Mais j'y arrive pas. Ok, il l'a emmené, parfait. Oh, il y en a un, là! Oh, bordel! Ah! Il va m'attaquer! Ah! À l'aide! Oh, bordel, il m'a bouffé! Oh, quelle saloperie! Ah, bordel! Bon, bah, je me suis déjà fait bouffer par un... Je vous disais que c'était des animaux dangereux, ça, qui... Ils bouffaient tout le monde, là. Bordel. Bon, bah, je vais aller retourner chercher un véhicule, hein. Et on est reparti, les gars. La prochaine fois, je ferai plus attention. Là, j'ai raté, j'ai tiré à côté. C'est de ma faute. Je manque d'entraînement, là. Allez, je reprends mon véhicule et on se retrouve de suite. Oh ! Non, 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 qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à côté, là ? Ça, c'est un braconnier. Oh, bordel. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, ça, c'est de la... Ça, c'est du braconnage, ça. Eh, hey, monsieur, monsieur! Oh! Oh, monsieur! Jette ton arme! Jette ton arme! Dépêche-toi! Jette ton arme! C'est l'ONF, là! Jette ton arme! Dépêche-toi! Mais toi... Eh! Hey. Oh! C'est ce qu'il me fait. Mais toi, Je peux... Ah bah oui, je suis pas gendarme. Je peux rien y faire. Monsieur, jetez votre arme, là! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous, monsieur. Jetez votre arme au sol, là. Faut que j'appelle la gendarmerie. Allez, monsieur, là, dépêchez-vous, là. Je vais vous mettre les menottes, monsieur, en attendant la gendarmerie, là. Voilà, merci pour votre arme. Venez là, là, monsieur. Là. Oh la vache, il m'a collé une balle dans le gilet, encore, lui. Bordel, c'est quoi, c'est... Ce début de vidéo. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah non. Par contre, il était en train de chasser je sais pas quoi, là. Il était en train de chasser dans la ville, là. Et le bestiau, il est parti. Bordel. Et puis j'ai appelé une patrouille, y a personne qui vient. C'est quoi, c'est... Mais... Que fait la gendarmerie, là? Ah, bah voilà. Il va y avoir Brigitte qui va arriver. Brigitte ou Maurice. Un des deux. Petit gars en travers. Ah, c'est Brigitte. Bonjour Brigitte. J'ai arrêté un individu là, qui était en train de braconner en pleine ville. Donc tu m'embarques ça. Il m'a tiré une balle dans... Ah la vache, il m'a tiré deux balles. Il m'a tiré deux balles. Attendez, il me faut une équipe médicale là par contre aussi. Parce que là... Regardez la nouvelle sérigraphie, les gars, 2018 que j'ai faite sur la Mégane. 2018, c'est la sérigraphie 2019, là. Tous les véhicules gendarmerie, ils sont sérigraphiés comme ça, maintenant. Gendarmerie, notre engagement, notre sécurité. Donc, je vais essayer de refaire tous les véhicules. Je fais que celle-là, pour le moment. Ouais, ouais, bah, merci, merci. Je me suis quand même pris une balle dans le corps, là. Puis ça marche pas, ça. Ma radio, elle fonctionne pas, les gars, là. J'ai demandé une ambulance, là. Je peux crever ici, personne bouge. Comment ça se fait que personne vient, là? Bon, bref. J'étais parti pour retourner à mon petit poste de garde, là, pour chercher un véhicule. Donc on se retrouve tout de suite, les gars. Bon, bah, y a pas grand monde, là, qui pêche, là. Y a personne qui pêche, c'est pas marrant. Il faut que je trouve un pêcheur. Bonjour messieurs, tout se passe bien? Ouais, parfait. Bon bah, il n'y a pas grand monde qui pêche là ou qui chasse. C'est pas très drôle ça.
Je peux même pas vérifier les cartes de pêche et tout, les permis de chasse là. Y a personne. Bah tiens, si. Bah y a du monde là qui pêche. Et puis ils ont une petite tôle de tente, ça va bien. Je vais faire le tour. Je crois que j'ai vu un puma dans les broussailles. Non? Ah non, c'est un cerf. Oh la vache. Il a eu de la chance, lui. Il a failli finir en terrine, celui-là. J'étais prêt à lui tirer dessus. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, les amis. Après, je vais ranger mon arme. Je peux pas la... Bonjour, messieurs. C'est l'ONF. Je vais vérifier votre carte de pêche, s'il vous plaît. Ok. Pourquoi il s'est mis comme ça, lui? Ok, donc ça c'est valide, monsieur, c'est bon pour moi. Parfait, continuez de pêcher tranquillement. Monsieur, pareil, je vais vous demander votre carte de pêche, s'il vous plaît. Mais alors attendez, je reviens, monsieur. Sa carte de pêche est suspendue. Ok, monsieur, votre carte de pêche est suspendue, hein. Je vais être obligé de vous mettre une amende. Hop là. Alors vous n'avez pas le droit de pêcher, monsieur. Je vais essayer de faire vite. Ah mince, faut que je rentre. Bon, pas de carte de pêche. Voilà. Alors, monsieur, ça vous fera 190 euros d'amende. Et oui, c'est le tarif. Pour pêche sans la carte de pêche. Hein. C'est dommage parce qu'elle est à 75 euros cette année, la carte de pêche, monsieur. Donc ça aurait été plus rentable de l'acheter quand même. Hein. Eh oui. Mais c'est pas la peine de m'insulter, sinon je vous pousse à l'eau, moi. Faites gaffe. Hein. Là, vous êtes en pente en plus. Moi, j'ai vite fait de vous pousser. Hein. Et je vous confisque votre matériel de pêche. Allez hop, saisie du matériel, c'est la règle. Vous avez de la chance qu'il n'y a pas votre voiture, sinon j'aurais pu vous la saisir aussi. Hein. Donc faites gaffe. Et la prochaine fois... Vous pêcherez avec votre carte de pêche, monsieur. Voilà. Ah, on arrive au lac. Oh. Oh. Ah, on est sur la route, là, bah oui. Ouais, là, j'aurais eu mon bateau, j'aurais pu contrôler les gars qui pêchent là-bas, mais... Dommage. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là, il pêche? Oula, le 4x4. Ah oui, il pêche. On va aller voir ça. Monsieur, bonjour, c'est l'ONF. Bonjour, monsieur. Oula, il a une prise ou quoi? Ah, faites gaffe, le bateau il va se prendre dans votre ligne là. Où ça mord, monsieur, aujourd'hui? Il a pas une tronche à prendre du poisson, lui. Donc, monsieur, vous allez me présenter votre carte de pêche, s'il vous plaît. Oh là, mince, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où, là? Ah, mince. Oh là, mais il est complètement... Monsieur. Il est complètement bourré. Monsieur. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ça va, monsieur? Oula. Oh la tête. Oh la tronche. Ça va, monsieur? Vous me recevez 5 sur 5 ou quoi, là? Bon, monsieur, vous étiez en train de pêcher, là. Je vais vous demander votre carte de pêche, s'il vous plaît. Mais bordel! Est-ce que vous allez la retrouver? Ah oui. Ah, bah elle est suspendue, voilà. Suspendue? Ça veut dire que vous l'aviez? C'est dire que vous l'aviez et que vous êtes fait choper en train de braconner, ça. Donc je vais appeler la gendarmerie, monsieur, là, parce que là, vous êtes complètement ivre, vous avez récidivé. Donc là, vous voyez ça avec la gendarmerie, maintenant. Voilà, bougez pas, monsieur, c'est une mesure de précaution, ça, de sécurité. Voilà.
Là, je peux pas vous laisser repartir comme ça, monsieur. Vous êtes complètement défoncé, là. Là, il y a le lac juste à côté, donc si vous arrive quelque chose... c'est ma responsabilité, là. Donc je suis obligé d'appeler les gendarmes. Ils vont descendre. Eh, vous pouvez pas descendre, là. Oh, bordel. Ils vont finir dans le lac. Ils l'ont percuté. Ah non, oh la vache. J'ai cru qu'ils allaient finir à la baille. Et tu vas faire comment pour monter, là? Oh là, bah attendez, ça va être marrant, les gars. On va finir la vidéo là-dessus, je pense. On va finir la vidéo sur... à mon avis, il va finir dans les temps, là. On va regarder ça, on va regarder le départ. Et après, on s'arrêtera là, les amis. Donc, dites pas dans les commentaires si vous voulez un autre épisode. Hein. Mettez un maximum de pouces bleus, comme d'habitude. Une vidéo tous les samedis, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et les lives qui sont souvent le dimanche ou le mercredi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant de tout ça. Attendez, je vais me mettre dans mon véhicule, moi, parce que... Ah non, ils sont encore là, mais qu'est-ce qu'ils foutent? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la bagnole qui a sauté du pont, là? What? Eh, faut y aller, là, les gars. Assistance personne en danger, là. Wow, c'est quoi ce bordel? Bah, elle est où la bagnole? Et j'ai pas rêvé, vous avez vu. Et je vais zoomer au montage, mais il y a une bagnole qui vient de s'exploser dans le. Dans la mare, là. Dans l'étang. C'est quoi ce bordel? Il y a rien. Ah, bah, ils sont partis. Oh, on n'a pas vu le départ de Maurice. Bon, bah, il a l'air de gérer. Bon, bah, les amis. Non, mais j'ai pas rêvé, il y a une bagnole qui vient de sauter. Je vais zoomer au montage, vous allez la voir, mais... Ouais, bah bref, c'est chelou. Bon, bah, après cette petite baignade, je vous laisse ici, les gars. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et à bientôt. Voilà, allez, salut!